So thank you. So good afternoon. Thank you for being here. Welcome colleagues, welcome staff and students. We are honored with the presence of the Director General. Our center, CEMAS, is interested in works at the crossroads of business and society. The interactions between social aspirations and companies. So this is gender issues are at the cornerstone today of social aspirations, and that's why we have this particular session event for sharing the research that is done today in the school. So some that's part of the research other researchers are also working on this. So we have the occasion to share and to foster our common work on this issue. So welcome, and let's have a nice event. Thank you. Good. So good morning, all of you. Dear Viviane, dear Adrien, dear colleagues and students, ladies and gentlemen, and all the people on YouTube Live, right? We are on YouTube Live currently, so welcome all of you. I wish to thank all of you for joining us today for this first event on gender issue in management, which is taking place within the 2018 ESSEC Gender Equality Days. So special greetings go to all of you. Staff, colleagues, students, also from the different campuses. It's here, it's Singapore, it's Rabat, as you know. A big thank to Viviane and Adrien, because it was, as usual, when you start, it's a small idea, and then it's a big organization behind the small idea. And I think that what you achieved today is that many actors of ESSEC actually played actively in helping you to organize this day and in attending this this day and this event, which is a start. It's an event, but it's within a series of events and initiatives, because as I like to say, it's very important. I think nowadays we are at a stage where we definitely need to build a roadmap to gender equality and diversity, generally speaking. Today we are focusing on gender diversity or equality, depending whether you want to see the problem or the solution, but the gender issue, more generally speaking. But even more generally speaking, diversity is the issue nowadays. And if I look at more generally at this issue, I think that most often this issue is underestimated. I think that there are already too many blind spots within companies. There has been progress. For sure, yes, there has been progress. But because the progress is there, most often you say, well, there has been progress, so it's done. And it's not. When I say blind spots, and I repeat these two words, blind spots, blind spots, blind spots, a lot, it means that we're not aware. And when we're not aware, we very rarely understand the problem. And when we do not understand the problem, we cannot solve it. So I think this event today, and more generally the Gender Equality Days, are a stone that we can build in this direction of building a roadmap to, first of all, being aware, then understand, and then throwing on the floor possible solutions to solve the issue. When I say solve the issue, if I focus on gender issues, it's not the problem of women, it's the problem of the society. So I think women, to solve the gender issue, need men to be aware, and men need to contribute to the solution of the problem. It's also what you see, it's very interesting to read a report, a survey by McKinsey, Women in the Workplace. They do that on a yearly basis, and I really suggest you to have a look at this survey to understand how important this is. And companies, now ESSEC is a specific company because we are in education, so, but we are also an organization, so we can study gender issues, and this is what is going to be presented today. We have six professors, if I counted well, that have been working
separately or by couples on these issues. Today it's very important that all together they show you what is going on research. And this is the kind of research that is very relevant for us at ESSEC, because it's both rigorous, because it's research, it's published, so it's rigorous. It's relevant because it's related to issues that are relevant to society. And what we try to do also today is to reach a third R, which is reach. We try to diffuse, to disseminate a little bit the results of our research, so that it's going to be somehow impactful and help a little bit the society to progress on this issue. At the same time, as ESSEC is an organization, we also have to learn ourselves within the organization. We have staff, we have professors, we have students, so we have gender issues within our communities that we need to be aware of, we need to understand, and we need to try to solve. Just a couple of words on a little bit how these issues are not new at ESSEC. I'd like to remind you that ESSEC actually was the very first business, French business school to open the Grand de Gaulle program to women candidates. For many years now, ESSEC female students have outnumbered by 1% their male counterparts. Several professors, as I said, have dedicated their research and their teaching to gender issues for quite a number of years now. There is a chair on leadership and diversity created in 2007. And now we have L'Oréal as a partner of this chair. We have two ESSEC executive programs that are centered on gender issues, ESSEC women programs on gender governance and empowerment, Génération Startupeuse, I use the French word, which speaks a lot, two students associations. So you see it's the professors, it's the school, but it's the students, two students associations dedicated to these issues, he for she and diversity, and so forth, so on. Adrien was talking about the Center of Excellence for Management and Society, among which this issue is relevant. And so today, the Center of Excellence, thank you, Adrien, has taken in charge together with Viviane, the organization of this day. So I'm sure that we are going to spend together some exciting time on this event, which will be an opportunity for us to deepen our understanding, to keep raising our awareness and finding together solutions. And when I say together, it's really a mixture of gender and actors. So thank you for all this, and hopefully you will have a nice, exciting, and inspiring event together. Thank you and welcome. Je change en français de toute petite minute pour ne pas perdre de temps et que les présentations puissent se dérouler. Donc, c'est un peu challenging. D'abord, on a décidé qu'un jour, le 8 mars, ce n'était pas assez. Donc, on fait Gender Days avec l'idée de mobiliser cette semaine, mais aussi de manière régulière maintenant. On a un projet avec Adriane et aujourd'hui, c'est simplement le lancement. C'est de faire des ateliers de partage des recherches des professeurs, femmes et garçons, parce que ne croyez pas que seuls les professeurs femmes s'intéressent à ces sujets. Il y a Fabrice dans la salle, il y a Laurent Bibard qui ne peut pas être là, mais qui est très investi. Et donc, au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui, qui est un petit exercice rapide, en shot pour montrer quelques petits focus sur des sujets. On va essayer tous les deux mois de faire un atelier un peu plus long avec un professeur pour rentrer dans les détails et expliciter ses recherches et faire des débats avec les ateliers. Et ils auront lieu soit à l'ESSEC Cergy, soit à l'ESSEC au CNIT le soir. Voilà. La recherche, pourquoi ? Parce qu'on a développé les Women Executive Programs depuis plutôt 10 ans maintenant. Waouh, ça ne me rajeunit pas. Mais ESSEC Pionnier, on rajeunit avec le club Startupeuse, tu en parlais. On travaille sur cette question de l'égalité pour le staff, pour les professeurs. Il y a encore des choses à faire. Je suis persuadée, et ce n'est pas parce qu'il est là que je le dis, que notre directeur général et mon cher professeur et collègue est extrêmement mobilisé sur ces questions et qui sera toujours porteur sur ces sujets. Et que donc c'était le bon moment cette année, non pas de faire parce qu'on a déjà fait, mais de déployer et de se donner des ambitions. Voilà.
Donc, je m'arrête là. Je suis vraiment heureuse qu'on ait réussi tous ensemble en travaillant chacun un peu, y compris la dimension de communication. Merci Nicolas, merci Aurélie, merci tout le montage YouTube de donner une dimension. On a plein de journalistes qui se sont intéressés aux questions, donc on va avoir en plus de la com là-dessus. Moi, mon ambition étant engagée sur tout ce qui est gender, c'est que l'ESSEC, en tant que grande école, soit absolument pionnière sur tous les sujets et qu'on puisse le communiquer. Voilà. Alors, on va passer la parole à notre première intervenante. Elle est prête, Johanna? OK. Donc, Johanna, avec le miracle de la technique. Hello, Johanna. Hi. Hi, everybody. I give you the floor. Hi, everybody, and greetings from London. Do you hear me? Yes. Okay, thank you. So it's a pleasure to be here today, even if remotely. And I'd like to share with you some of my research team. I have been doing research of gender since PhD. And I have been interested in the new evolution of work, and especially with the advent of new technology, how that can impact people's lives. And we can see that on the one side, technology gives people flexibility, but at the same time, I could see in my research how there are challenges, because if people have the ability to work everywhere and all the time, many of them will end up actually doing so with very with detrimental effects on their family life, on their health, on their health will decrease. What I could see in my research, and I could mention that my field of research is professional service firms, that is firms that are knowledge intensive, such as audit firms, accounting firms, law firms, IT firms. We can see there that there is a masculine culture where heroism is pervasive. And in many of these firms, this culture promotes an unhealthy, unsustainable rhythm of life, which penalizes both women and men, especially those who want to be engaged in their family lives, in their private lives, have some hobbies besides work. And I think this research field it's quite interesting because professional service firms have a strong impact on society in general, because these firms are often emulated by other firms from other fields, and the professionals that are in these professional service firms often go on to work in other companies, and thus practices they learned during their socialization in the professional service firms are can become actually, you know, distributed and be generalized also in other fields. So it was very interesting for me to study these firms, and I conducted interviews in France and UK, and I was able to see how the organizational culture, but also the national culture, has an impact on how people work, and also what is acceptable and not in terms of working practice.
and it was quite interesting to see how many women in the UK tended to reduce significantly their working hours or to give up work completely, especially after a second child. Whereas in France, this was not the case, or at least not to the same extent as I could notice in the UK. And of course, that can be explained by many factors, and especially the fact that childcare is much more affordable in France, and that allows women to continue being engaged in work and to develop their career. And even if my research has been focused at the individual level, that study individuals, study professionals, and especially from my identity point of view, I think focusing on this individual level does not at all exclude the other levels of engagement, that is the organizational level and the societal or class level, because the individual actually encapsulates all these levels, and the individual is always, as I studied, embedded in a context. And I emphasize in my research this aspect of mutual constitution between individual and context. The context produces the individual, and the individual also produces the context. Ivana, we have one minute more. We have the timing. The timing is running. Sorry. Sorry, Adrian, I'm not sure that I understood that well. We have one. I don't know where I see you. Here, I see you. We have one minute more, and we have a problem with the sound. If you can approach the micro, perhaps. Okay. Yes. Perfect. Just one last idea. In my current research project, I have been interested in how history, and especially, history is a big word, but individual history, who they are, their upbringing, how that influences individuals' later choices in life related to work-life balance. And I found that upbringing, especially the example of the parents, and how children observe their parents, and children sometimes imitate parents, they assimilate a certain views about the work-life balance, about the roles mothers and fathers in family, and all these are activated later in lives, they become parents. And in this sense, identity is central, because identity produced in a historic way that sedimented all through the years. Because individuals ask individuals and make choices based on who they are, not necessarily based on the choices they have. Individuals know, and there are many researchers that show that they are rational, not completely rational. So most of the time, what I saw in my research is how people just to traditional roles, the breadwinner versus caregiver, without necessarily prior to their deliberation. And the moment when people become parents is decisive, because it's then that the future responsibilities between parents are shared. And that's the moment when individuals are at reverting to traditional roles. So basically, just to give you
well, some hints about my research. And obviously, I'm very interested to hear about your own research and just see how we can establish some common axes of collaboration for the future. Thank you, Jonas. Thank you for having taken time to share. So after all the presentation, we're going to have some questions. Maybe if there's a question for you, I share to you by via YouTube. Thank you. Yes, Junko, please. Come here. Yes. Yes. Second. Wonderful. So, do I need to stand in front of the microphone? Yeah, I do. I hate that. Anyway, so good morning, good afternoon. I'm not quite sure lunchtime. Thank you. Yes, I'm short. That's actually one of the things about women in leadership is the height, right? Height is what we call a status characteristic, and studies have shown fairly significantly that even men, right, taller men have more impact on others, okay, then shorter men. So, like, as women, we have a much harder time. But anyway, so talking about leadership, I'm going to talk a bit about a book that we came out with in the Leadership and Diversity Chair a couple of years ago that focuses on gender quotas on corporate boards. Now, we looked at this topic, so this was 3 or 4 years ago, because there were several countries at that time, particularly in Europe, who had identified the gender issue, especially in leadership positions in organizations, as problematic. And some countries had started to think about, okay, what can we do? Okay, and they started imposing these gender quotas at a national level. Okay, so I'm part of a group of people from different countries in Europe who are looking at this issue. And we invited that group to contribute, okay, to talk about what's going on in their countries, okay? So why gender quotas? Very, very quickly, right? So studies have shown, but also countries, governments have identified the fact that there is an underrepresentation of women in upper-level management. And despite different ways of addressing this issue, like giving more education to women, creating certain laws in terms of equal opportunity, things like that, this is a problem that persists, right? And in some countries, quotas were identified as a legal means to improve equality, okay, to improve access, basically, to say, well, we need to have a minimum percentage, okay? And actually, gender quotas are not just for women, they also apply to men, okay? So in countries where they say 40%, it's 40% either men or women, okay? So it's not just it's not a women's issue, it is a gender issue, okay? Also, some studies at the time were talking about how that sort of increased diversity, that gender diversity on corporate boards may lead to, and some studies showed that they actually did lead to some positive impact for organizations, right? Such as better decision making, more social oriented decision making, positive impact on firm performance, and corporate branding. Now, studies continue to show a mixed mixed results in that regard, okay? But nonetheless, you know, there are some indications that companies that work on gender issues tend to be more sustainable in the future, okay? So so these are different chapters in the book, okay? So we looked at Norway because Norway was the first country in Europe to introduce gender quotas on corporate boards in 2002. And they actually attained the 40% quota in 2010, so that was 8 years after the introduction of the law, okay? And people looked at that and said, hey, this is great, it works, right? Maybe we can do this, okay? Without necessarily understanding the why behind that, okay? And so later on, like in 2009, countries like Holland, Spain, I'm not going to talk about France because Vivienne is going to talk about France later on, but France is another country that has implemented these laws in the last, 5-10 years, okay? Now, Norway is interesting because,
it implemented, you know, initially first. And you think, well, yeah, but it makes sense because Norway is a Scandinavian country. They're very open to gender issues, whatnot, whatnot. Now, one of the main reasons why the Norwegian government implemented this quota was because over the 10 years before 2002, okay, they looked at the statistics, right? And basically, the percentage of women on corporate boards was stagnant at 7%. Okay, so it's not because it's a Scandinavian country that these things are advancing. Okay, and they said, well, we need to do something. And so when you impose sanctions related to quota laws, and Norway has very clear sanctions if you don't meet the quota, okay, there's a direct impact on the company. Okay, then, okay, after 8 years, okay, they were able to reach the 40%. There are sort of other reasons behind the 40% as well. I bring up Holland and Spain because what we found in our discussions with the group that I'm working with was, so Holland came up with 30%, Spain came up with 40%. It's not so much the percentage that is important, but it's more what are the consequences for non-compliance of the law. Okay? And in both countries, it was more this notion of justification and a strategic plan. So comply or explain. Okay, it's not comply or sanctions. It's comply or explain why you haven't met those sanctions, and to say, to come up with a strategy in terms of what can you do to improve the situation. Okay, so when the law is sort of formulated that way, so that there aren't sanctions, okay, and the results that you see here are actually updated from what you find in the book. Yes, I've only got one more minute left. They attained 40% of, sort of, in 2015, so that's fairly recently, 14% of firms where the 30% quota was met, but there were 75% of firms where there were no women at all. Okay, so there's still a lot of issues. Same thing in Spain, so in 2014, there was 16%, okay, as opposed to the 40%. And the numbers are stagnant, right? It doesn't go up very, very quickly. Some conclusions, so the importance of sanctions, okay, on gender quotas and the implementation and the impact of gender quotas. Also, in certain countries, there's a resistance to quotas and gender quotas in particular because it's perceived as distributive versus procedural. Okay, that we're sort of imposing and it's sort of we're saying, okay, these people should, the haves and the have-nots, kind of thing. Okay, and that doesn't work, for example, in Anglo-Saxon countries. So it's not. So it's not just that you need to implement quotas, that you need to have sanctions, but you also need to think about the overall cultural element, okay, in terms of whether this actually makes sense or not. And I think Viviane will talk about that when she talks about the case of France and how France has gone about implementing these, okay. And also there's an impact of quotas on the type of board membership. So in Norway, where you have attained the 40%, it's not 40% of executives, in fact. They are non-executives. And so what they've done is they've brought people in from the outside in order to fulfill the quota, number one. Number two, sometimes these people are foreigners, okay? And so they don't necessarily know the context in which the business is operating, et cetera. So it's really filling the positions for the sake of filling them, which has also an impact in terms of performance, right? So there's still, this goes back to the what we can't see. Right, that Vincenzo was talking about, right? There's still a lot of issues, okay, that need to be dealt with, even in places where it seems like things have advanced, okay, and things are going in the right direction. Thank you. Okay. I too don't like the static mic. Good. Ironically, I'm going to start off my presentation with a picture of a man and an old white man and that. Does anybody know who that is by any chance? It's fine, it's not a quiz, it's fine. That's Bernard Shaw, the Irish playwright, and he famously observed that the world has three types of people. Those who make things happen, those who watch what happens, and those who wonder what happened. And I've spent the last 10 or so years of my career studying that first kind of people, those who make things happen, those who speak out with suggestions, those who come up with ideas for innovation, those who try to initiate change in their team or who find a more effective way of doing their job. I'm interested in those. I'm essentially interested in how people contribute to the effectiveness of organizations. And as our organizational environments become more uncertain and more dynamic, it's increasingly difficult to tell people exactly what we want them to do,
to have them perform as prescribed, but instead we want them to show initiative and to contribute to innovation or to be more proactive. And there's a whole body of research, including that of myself, that shows that generally there's a type of proactivity, people showing initiative. It's a range of positive outcomes. It's good for individuals. We know that people who are proactive, who make things happen, progress fast in their careers, they perform better in their jobs, they're generally happier with their jobs, and they tend to be more satisfied with their lives overall. Proactivity is important for companies because it contributes to innovation and it helps them adapt to changing environments. So it sounds like this is great and good for everyone, and also how does gender come into this? Sounds like it's great for everyone, but there's one important party in that equation that is not so happy with employees being more proactive, and that's this guy, that is line managers. And as the role of employees changes, and as they become more proactive, and they start to take on more responsibility and bring about change, they're essentially encroaching on what used to be the terrain of leaders, right? Bringing about change, new directions that used to be the prerogative of leaders. And people behaving in this way is threatening to leaders. So in the research project I want to talk about today, working with my two colleagues, both at Warwick Business School at the time, Osman Bagash and Dawn Eubanks, we were interested in, so what happens to line managers when the employees are proactive? And what role does gender play? And our idea was, this is going to be really threatening for line managers when people are proactive and they try to bring about change. And that's particularly the case when the person doing so is a woman. Why is that? It comes from research on gender stereotypes that tends to divide behavior into two broad categories. They're behaviors that are communal and they're about making peace and making nice and being supportive and empathetic, and generally that's what we think of as stereotypically female. And they're behaviors that have to do with being assertive and making decisions and being proactive and being leader-like, and traditionally these are characteristics we associate with men. And there's a lot of research that shows that these stereotypes actually get in the way of female leaders, that they put us in a bit of a double bind where we can either be a good woman or an effective leader, and it's difficult to do both. So that's what we thought. How do we study this? Right, we took it to an experiment, and this is an initial study, so it comes with a big caveat, not representative. We recruited 60 managers in India, that's my original context, and we divided them into four groups, and we told each of these groups a slightly different story. They all read a story about Pat. Pat is a marketing manager. See how Pat can be both a male and a female name. Told him a story about Pat. So half of the groups read about Pat, and this was a man. Half of them read about Pat, and she was a woman. In half of the cases, Pat was being proactive, and in half of the cases, Pat did as she was told. And then we asked all of these four groups, now tell me, how well do you think Pat is doing? What is their performance? How likely is it that Pat's going to get promoted? And do you think that is threatening, what Pat is doing there? Show the examples of the two stories. We keep them as parallel as we can, right? A story describing as Pat, here's Pat, she's coordinating, she's doing as she's told, and here's Pat being proactive, so she's trying to find a better way, and she's initiating a change. In both cases, it ends well, right, and our client is happy, and then we compare what happens in these four groups. And here are the results. We first look at performance. How well do people think Pat is doing? Four different groups. So the results for performance are encouraging, or if you want to say discouraging, bad for us researchers, good overall. See a bit of a tendency, right, how performance tends to be more highly evaluated if Pat is portrayed as male rather than female. But these results aren't significant. We do see significant results where we look at threat. You see, if Pat, our fictional marketing manager, is portrayed as female, she is significantly more threatening to managers than if she does as she is told. Right, and we don't find the same result for managers. For male managers, there we don't find that effect that being proactive is more threatening. Okay. Big caveat. That's 60 people in India. There's good news and there's bad news, and the same bit of news, which is we struggle to replicate that. We always find that managers find people being proactive threatening. We don't always find these gender effects. But why do I still think that study is important? I think that is important because we do a lot of telling women what to do to fix gender equality. We do a lot of telling women that they need to lean in and they need to speak in more assertive ways and be less apologetic, or maybe more apologetic. And you say their ideas, and if the women have been told to speak more in meetings, we get told that all the time. Right? This is a nice example for all the changes here is a pronoun. This is just a story. It is in the eye of the beholder. It's not all about
telling women what to do. The same behavior here is perceived completely differently, whether it comes from man or woman. And so I'm going to lead all of our proactive women in the audience with this humorous advice. Thank you. Can use this one. Okay, so hello everybody. So Adrian asked me if I can join this this session about gender and management. And so I have chosen to present the results of a small paper we did with Estefania Santacreu-Vazou, who is not here today. And it's about, it's about understanding the glass ceiling in the accountancy profession, and we would like to propose some novel perspective. So I'm in the accounting and management control department, and Estefania is from the economic department, so we try to share our knowledge and try to be transdisciplinary in understanding gender ceiling phenomenon. So what I present today is come from a paper entitled New Avenues of Research to Explain the Rarity of Females at the Top of the Accountancy Profession, and it has been published in Palgrave Communication last year. So at the very beginning, we know that there is a glass ceiling phenomenon in Big Four audit firms. So what we call the Big Four is the main major audit company in the world. Because women represent only 10 to 20% of executives that is partner in those companies, like KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, and Ernst & Young. And some researchers try to understand why is this particular glass ceiling proving so hard to break. And there are some existing explanations that suggest either that women may just be different from men or that they face societal level barriers in terms of stereotypes and expectations, of course. In terms of motivation, we thought that Big Four is really interesting to study because... No, it does not work anymore. I will use the other slide. C'est ce que je fais. Ah, non. C'est planté? Okay, so I can continue with the slide. So why are Big Four are important and interesting to study if you want to study gender differences across culture or across country? There is nothing else, okay. First, because Big Four have a worldwide presence. They are present in more than 140 countries. And there is also something else that until now, accounting research has focused when they are studying gender inequality in audit companies, they only focused on Anglo-Saxon countries or single country studies. And on the other side, from economic research, we know that gender roles and gender inequality varies a lot across countries. Then we thought with Estefania that it could be interesting to use some results and theoretical lens from the economic research to the accounting and the auditing field in particular for studying gender roles. And one particular aspect of economic research these days about gender is the language. So
Some economics researchers have shown that language may also play a role in shaping gender roles. They have, first of all, identified the correlation between gender distinction in grammar. Like, for example, in French, we use the feminine and the masculine distinction, but in other languages, there is no such distinction, or in other languages, there are three distinctions: neutral, feminine, masculine. And those gender distinction in grammar have correlation with low. Thank you. And gender distinction in grammar, they have correlation with lower socioeconomic, political, and managerial outcomes for women at country level. And some other findings further suggest that language may convey gender norms and provide a unique measure of historical gender roles that have been transmitted to the present day. So what is our research about? So in fact, we argue that the study of existing gender disparities in top leadership accountancy position across country may also benefit from using language to measure gender inequality. So what we did a thorough and systematic literature review on gender accountancy and language among 90 years of research, looking at papers from 26 to 2016, and we collect data on the presence of the Big Four throughout the world, including their linguistic environments and the characteristics, the gender characteristics of their global boards. So our findings, and it's just a first study, so we have to work more on this topic, but the first findings are quite interesting because we found that research that links gender in accountancy to the linguistic environment is scant. There is almost nothing. That Big Four indeed operate in really diverse linguistic environments, and what is interesting is that even if they share a common culture among the different offices of the Big Four, they are really rooted in the local community because accounting is really rooted in culture, legal system, etc., etc. And it also allows us to suggest a set of avenues for future research. So in terms of discussion and conclusion, what we did after those figures and metrics. So we review existing explanation of the rarity of women in the Big Four, and all this would change if we consider language. So actually there are four stories that try to explain why there are so few women at the executive position. The first story is just give it time. Women lag behind because they enter the profession later than men, but they do not control for any cultural differences or language differences. The second story is that women are different. So some papers explain that because of the differences in preferences, ability, motivation, etc., it leads women to make choices that are oriented towards the creation of family-centered lifestyle choice. But this varies also across cultures and language. The third story is the jobs are for the boys, the fact that women face barriers to entry into the accountancy profession, and language is not a natural representation of reality. Then when some company try to push, a program for diversity or equality of gender, etc., it does not work equally because of the gender stereotypes that are vehicled by language. And the fourth story is a never-ending story. So to conclude, we could say that language may play an important role in perpetuating traditional gender roles, preventing women from accessing top leadership positions in society, as within the accountancy profession. Thank you. Okay.
Have you think about replicating the study in Hungary? In Hungary. Academy? Hungary, the country, because they don't have gender issues. I think so. What we are doing right now, we are running another study. We are looking at one specific Big Four that published it's not CSR report, but it's what they call transparency reports. So this audit company is EY, but they don't publish in Hungary. Any report where we can find some metrics about gender employment or number of partners that are women, etc. But if you want to find some information about gender from the audit company, it's in the transparency report or sometimes on the website. But it's not comparable. But now we have one company with some comparable data across time and countries, but I don't think for Hungary. I can ask Andras if he has a connection with. There's no gender. Yes, I know. Yeah, which could be interesting. But perhaps there are some other languages like that, like Finnish, perhaps. Okay. Je sais pas. Okay. No other question? Thank you. J'adore la question du vocabulaire, ça m'amuse toujours. Hein. Vous voyez, quand on dit « je suis votre serviteur », ben, « je suis votre servante », ça ne le fait pas du tout. Ou « maître de cérémonie », ben, « maîtresse de cérémonie », ça ne le fait pas du tout. Donc, il y a encore effectivement un travail sur le genre quant au vocabulaire, juste pour faire un petit coucou à ma collègue. Un autre coucou à Junko, puisqu'en fait, on a deux travaux qui sont en miroir. Jusqu'à présent, les papiers qui ont été présentés, c'était surtout sur la difficulté qui demeurait, même s'il y a des progrès, à arriver à l'égalité. Alors la parité, je ne vais pas commencer à rentrer dans de la sémantique parce que pour moi, ces mots-là ne veulent pas dire la même chose. En gros, il y a des progrès. Selon les pays, selon les cultures, hein, il faut utiliser la loi. Parfois, ce sont des objectifs volontaires. Dans tous les cas, les hommes doivent être absolument engagés et partenaires parce que sinon, il ne se passe rien. Et moi, j'ai voulu travailler de manière un peu différente en assumant totalement, donc en me mettant un peu en danger parce que ça ne se fait pas en France où nous sommes dans le mythe de l'égalité et que on comprend l'égalité non pas comme l'égalité de droit, je vous rappelle que je suis juriste, mais comme l'égalité, c'est-à-dire tu es pareil que moi. Et je suis bien contente, même si j'adore Vincenzo, de ne pas être pareil que lui. Je suis bien contente de ne pas être pareil que Fabrice. Je ne suis bien contente de ne pas être pareil que... Voilà, parce que nous sommes tous différents. Autrement dit, j'utilise la notion d'altérité, hein, l'autre. Il s'avère que c'est l'autre par rapport à gender diversity, c'est-à-dire hommes et femmes. Mais ce qu'on va raconter maintenant, c'est valable aussi pour des origines culturelles, des cultures religieuses, etc. Et c'est pour ça que travailler sur gender diversity, c'est un moteur puissant. Parce que quand on a réglé ou trouvé des outils sur cet aspect-là, alors qu'on représente quand même la moitié de la population du monde, on peut sans doute aller tirer des leçons sur des problèmes d'origine, d'ethnie ou de culture différente. Alors, comme je suis absolument nulle en technique, je ne sais pas si je peux utiliser ça. Donc, moi, je n'ai pas voulu travailler sur quota ou pas quota. Je suis engagée à fond. J'ai travaillé sur la loi Copé-Zimmermann et je continue. J'ai essayé de travailler sur des femmes dans les conseils d'administration. Ça change quoi? Pourquoi? Je ne veux pas que des femmes fassent la même chose que l'ancien modèle. Je veux qu'elles soient là-bas pour changer le monde. C'est le même combat que les start-upeuses. Ce n'est pas pour faire la même chose. C'est pour apporter des valeurs, avoir un regard différent parce que notre éducation, notre culture, nos moteurs internes font qu'a priori, on peut apporter de la diversité et que c'est comme ça qu'on crée de la valeur ajoutée à notre société. De la valeur ajoutée
dans nos entreprises, etc., etc. Donc, j'ai voulu faire en mode un peu fun. Évidemment, je me suis trompée. Voilà. En mode un peu fun. Donc, mon travail, c'est femme et pouvoir, tabou. La relation des femmes au pouvoir, est-ce que c'est un tabou? Ou est-ce qu'on arrive à un nouveau modèle de gouvernance? Alors, je vous passe très vite la méthodologie pour arriver aux bulles de BD qui sont beaucoup plus intéressantes. Mais en gros, sachez qu'en 2011, hein, c'est un travail que je mène depuis un moment, on a quand même mené 50 entretiens de plus de 2h30 dans le monde entier pour voir si, en plus du gender bias, il y avait des cultural bias. Okay? Et que systématiquement, toutes ces femmes de très haut niveau, politiques, dirigeantes, femmes administrateurs, n'arrivaient pas à prononcer le mot « pouvoir ». On parlait de vocabulaire tout à l'heure, ça n'est pas neutre. Elle parlait de responsabilité et parfois d'influence, mais jamais de pouvoir. Et j'ai commencé à aller gratter, et je peux vous dire qu'en 2h30, on obtient quand même des choses intéressantes. Alors, ces premiers travaux ont été publiés en 2011, et depuis, je continue à les utiliser en faisant des workshops dans différents endroits. J'en fais un le 8 mars à Bruxelles devant 400 personnes. Avec des garçons et des filles pour voir si les questions, les réactions seront différentes, pour continuer à nourrir cette réflexion sur femme, pouvoir, et donc, puisque c'est mon cœur de métier, qu'est-ce que ça change dans la gouvernance des organisations, que ce soit les entreprises, des grandes corporates, des start-up, mais aussi des associations ou l'école. Donc en gros, les quatre grands paradigmes que j'ai trouvés, c'est que quand le mot « pouvoir » est utilisé, qu'on arrive à les pousser, ça va être le pouvoir pour faire quelque chose et pas le pouvoir sur les gens. En latin, pour faire ma savante, parce que j'ai fait du latin dans ma vie, c'est le « potentia » et pas le « potestas ». Okay ? Du coup, l'idée, c'est de plutôt partager le pouvoir et être plus dans le collectif que l'exercer de manière collective, verticale. Ok ? Et individuel, c'est-à-dire travailler en équipe le plus possible parce qu'on a cette idée de comment est-ce qu'on arrive à faire quelque chose et que le jeu de l'équipe, ben, ça crée de la valeur ajoutée. Du coup, et là, on est sur des stéréotypes par défaut de l'ancien modèle. Moi, je ne dis pas le modèle masculin, je dis l'ancien modèle qui doit partir à la poubelle dans quelques temps, le plus vite possible. C'est que les jeux de pouvoir, la lutte contre le pouvoir, le côté égotique, a pas vraiment beaucoup de sens pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable, parce qu'on a des convictions et des valeurs, de se battre. Hein. Ça veut simplement dire que le jeu de pouvoir, dans la politique politicienne, par exemple, nous intéresse. Et un élément extrêmement important, qui est toujours lié à notre fameux complexe de l'imposteur, et qui explique que de nombreuses jeunes filles travaillent beaucoup pour avoir de meilleures notes, c'est comme on ne se sent pas légitime, on va s'assurer en ayant bien préparé. Alors, on prépare bien les cours, on prépare bien les travaux, on prépare bien le conseil d'administration. Et ça donne des trucs rigolos. Première étape, je suis une nouvelle nominée dans un conseil d'administration. Regardez toutes les symboliques, je me mets en tenue de mec. Il y a juste la petite note des talons roses. On a beaucoup travaillé avec une équipe pour ça. Et j'ai une pile de dossiers que j'ai évidemment largement étudié parce que je vais poser la bonne question qui va faire qu'on va me reconnaître comme étant compétente dans mon premier conseil. Les autres sont quand même plus habitués, beaucoup plus, on va dire, décontractés. Et ils se demandent si on a le même ordre du jour du conseil, parce que le conseil d'un ordre du jour au conseil d'administration, c'est un conseil important, il faut l'avoir bossé correctement. Donc ça interpelle sur la professionnalisation relative des conseils, notamment en France. Et première idée, est-ce que les femmes, en arrivant très bien préparées, en posant les bonnes questions qui parfois, au début, fâchent, ne vont pas faire monter, c'est ce que j'espère, en compétences, nos conseils d'administration, qui jusqu'à présent étaient parfois un peu limites. La deuxième problématique, c'est la difficulté à s'imposer. Combien de fois, y compris en cours, des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes de mon âge m'ont dit qu'elles avaient du mal à prendre la parole quand elles voulaient dire quelque chose. Alors, parce qu'elles ont des voix moins fortes, ça dépend qui. Moi, j'ai une voix assez forte, j'ai de la chance.
Mais ça m'arrive dans même des assemblées de profs de parfois avoir du mal à... Maintenant, je me lève. Je suis petite, mais ça se voit. Je me lève et je dis les choses. Mais il faut travailler là-dessus. Donc, problématique, comment je vais le dire? J'ai quelque chose à dire, j'ai une question à poser, j'ai mes convictions, j'ai une expertise, mais regardez, ils sont un peu dans leur habitude de cocon, et donc je ne suis pas intégrée, comment je prends la parole? Ça, c'est un sujet. On continue. Troisième niveau, à chaque fois, on est en train de monter en gamme. Elle a compris qu'il fallait faire des jeux d'influence et qu'il fallait entraîner avec elle d'autres personnes, en l'occurrence des garçons, puisqu'on est dans un conseil d'administration encore très masculin, et qu'il fallait leur parler des trucs qui les intéressent, c'est-à-dire la stratégie de la boîte, c'est-à-dire des choses vers lesquelles on va, et pas les choses, pardon Anne, un peu inévitables, mais pas forcément hyper fun, comme voilà, la rémunération, le Seon Pay, l'audit. Et donc, on s'aperçoit effectivement à l'heure actuelle, quand vous regardez les nominations des femmes dans les conseils d'administration après quelques années, qu'elles vont aller intégrer les comités d'audit, les comités où elles sont performantes, mais beaucoup la stratégie, la RSE, parce que c'est le monde de demain. Okay. Et dernier élément, proportion minoritaire suffisante, d'où l'intérêt des quotas. Parce que quand on est une minorité trop minoritaire, que ça soit gender ou que ça soit de couleur ou que ça soit de culture, on n'ose pas prendre la parole et en fait, on ne peut pas jouer son rôle, on ne peut pas occuper sa place. C'est le phénomène majoritaire, minoritaire. Et ce n'est pas des travaux de gender, c'est des travaux menés par Serge Moscovici sur les universités américaines quand il y a eu les quotas pour les hispanophones et les noirs, où on s'est aperçu que ils avaient disparu de la circulation tant qu'ils n'étaient pas à un fameux quota, entre guillemets, d'à peu près 30%. D'où l'intérêt des quotas qui montent à 30, 33 et nous 40%. Quand on est proportion minoritaire, on se retrouve nous aussi en posture d'être capable d'être une puissance agissante et en plus on peut s'offrir le luxe du coup d'aller identifier des partenaires, des gens qui sont plus en support et de commencer à travailler avec eux. Donc lui là qui a la petite cravate rose. Donc pour le fun, Vincenzo, vous ne l'avez pas remarqué, mais il est en orange aujourd'hui. Est-ce que vous savez pourquoi il est en orange, au-delà du fait que c'est très chic avec le bleu? Le orange, c'est la couleur symbolique de cette année de l'égalité de ONU Femmes. Et donc, je voulais saluer, parce que là, franchement, c'est hyper chic. Voilà. Et on a fini, Eradu est presque arrivé, ou pas encore. Donc, il va arriver. Il va arriver. Du coup, on peut... Ok, on peut attendre, on peut prendre quelques questions ou remarques le temps que Radu arrive, qui sort de cours. Sinon, je vous rappelle juste que le 26 mars, parce que nous, on continue, on s'est fait un mois entier, au CNIT cette fois-ci, puis après, il y en aura d'autres, il y a un atelier career sur négociation des salaires, des formations et des carrières pour les filles, mais où les garçons sont bienvenus à condition que ça soit pour aider les filles. Voilà. Et on a Laurence de Joigny, qui est une super intervenante, grande spécialiste de ces questions. Oui, je voudrais juste, donc si j'ai bien compris par rapport à ta présentation, toi tu es en faveur des quotas. Absolument, dans des pays où on ne peut pas faire autrement. Pas du tout au Royaume-Uni, où ils sont réussis à 25% et maintenant se sont fixés 30%. En mode soft law, ça dépend vraiment de la culture. Mais dans les pays latins, là, j'ai fait du lobbying pour l'Espagne, pour le Maroc, pour l'Italie, parce que voilà, on me demande d'aller porter la bonne parole. Dans les pays où on a vraiment encore un gender bias, il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, la réponse est oui, alors qu'en 2010-2011, je n'étais pas forcément pour. Mais c'est un effet d'accélération indéniable. Donc, on y va. La prochaine question, d'ailleurs, c'est les COMEX CODIR. Et surtout, il n'y aura pas de legal quota, parce que ce n'est pas une structure juridique. Mais sachez qu'on va monter en 2018, on est en train de le faire, une action activiste avec
des avocates et l'association française des femmes juristes. En fait, on a acheté des actions et on va aller embêter tout le CAC 40 pour aller poser des questions sur Next Step comme Excodir. J'ai juste une remarque sur la présentation de Junko, mais elle est partie. Junko, ah, elle vient de partir. Parce qu'elle, mais peut-être, je connais un peu ces trucs, je ne sais pas si je peux t'aider. Elle regardait le long-term impact d'avoir des femmes dans les boards. Et récemment, en fait, on a montré que avec un papier qui s'appelle « What if it was not Lehman Brothers, but Lehman Sisters oui. » que les femmes ont un impact sur le risque de crédit des entreprises. Et donc, en fait, comme elles sont plus averses au risque, microéconomiquement, on contribue à faire baisser le risque de crédit, donc le taux d'endettement des entreprises. Et lorsqu'il y a des femmes dans un board, il y a moins de défaillance d'entreprise. Oui, et je peux même ajouter deux choses. C'est de la littérature américaine, mais on peut l'utiliser. Il y a eu des travaux menés pendant 5 ans sur 8000, un échantillon de 8000 entreprises, de PME jusqu'aux grandes sociétés cotées américaines, qui démontrent que quand il y a cette fameuse proportion suffisante dans les boards, les décisions de croissance externe, donc de FUSAC, des mergers, sont beaucoup plus réfléchies, avec un endettement moindre, les valeurs sont moins importantes et en fait les entreprises ont une gouvernance pérenne plus construite. Et le troisième élément intéressant, c'est qu'il y a une sensibilité très particulière aux enjeux de RSE, toi ça va te parler, et donc systématiquement les femmes demandent que cette question soit vraiment adressée de manière régulière et pas comme ça un peu de manière artificielle, et que ça soit au cœur de la stratégie. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus des femmes on board, c'est juste le modèle innovant par rapport aux problématiques du monde sur la question des risques, sur la question de comment on fait croître l'entreprise, mais pas en faisant des coups. Parce qu'il y a le concurrent qui m'énerve, alors je vais lui faire le contraire, genre LVMH, PPR, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, comme il y a moins ce rapport à l'ego et plus sur l'intérêt social, on est plus sur la durée. On a trouvé aussi des choses sur l'arbitrage par rapport au salaire et à la rétention des talents versus les dividendes. Donc il y a vraiment de manière concrète des modifications qu'on commence à voir depuis qu'il y a plus de femmes dans les boards. Donc ça a commencé aux États-Unis, mais ça arrive en Europe. Et on a un effet démontrant assez fort en France parce qu'il y a une accélération. Voilà. Donc ça a un effet très positif sur tout ce qui est RSE et tous tes sujets à toi. And then we proceed to travailler avec women in sustainability, yes. Yeah, absolutely. Yeah. Okay, yes, we have a few questions. So one is very, very broad. How do we get to change men's behaviors? Éducation. C'est le rôle des mamans et des papas et des professeurs d'éduquer autrement et de faire prendre conscience. Donc je vous interdis de mettre du bleu et du rose à vos enfants. Je rigole. Tu mets du orange. We have two other questions. We're talking a lot about cultural aspects to be taken into the role of cultural aspects to take into consideration. Cultural aspects is quite broad, but well, it's. Do we think we could design an exact cross-cultural identity that would be gender fair and be leaders on the education of our students on this topic? Yes, we try to do that. We hope. Oui, je crois que là, il y a le rôle aussi des étudiants et des associations étudiantes qui doivent se prendre en charge et être proactifs. Un exemple, les ateliers dont je parlais qui vont avoir lieu le 26 mars, mais ça fait déjà 2 ans que ça existe en mode pilote. On était étonnés que quelques garçons veuillent assister, mais on leur a dit « bah oui, venez ». Et en fait, j'ai vraiment été charmée du fait qu'ils venaient pour partager leurs tips et leur manière de faire avec les étudiantes pour les aider. Et je crois profondément que, de toute façon, la jeune génération est beaucoup plus mixte au sens égalitaire, considère que la mixité est une évidence. Dans une école, sans doute, dans l'entreprise, ils vont voir que ce n'est pas toujours aussi facile. Mais moi, j'en ai vu plusieurs prendre fait et cause pour les filles et vraiment se mobiliser. Dans le club Génération Startupeuse, par exemple, j'ai seulement 12% d'experts, garçons,
Mais les 12% d'experts, franchement, ils font 40% du boulot. Parce que quand ils ont pris conscience, ils sont beaucoup plus involved, like get involved. Voilà. Okay, pendant qu'on l'attend. Okay, I have one question for Anne, and one question for you, and one comment. So the question for Anne, I was a little bit confused about the causality between language and gender issues or gender inequality. So, because I would think that, one option is that language is translating some cultural traits from that culture. So language developed as, you know, gender, making gender differences because of the underlying culture of that region. And then now when we look at those, when you look at language, it is translating culture, and culture is ending up in these gender gaps. The other explanation could be, okay, if you take a guy, an English person, and put in them speaking French, they'll become more making gender differences. That is it language that affects behavior, or is it just a reflection of the culture behind it? What you prefer, what in French, English? I don't know. Vas-y en français. Okay, so the expert about language is not me, is Estefania. So ouais. I will try to not say anything wrong, but if I understood really well, so we do not prove any causality in our studies, just something that is descriptive, and we open avenues for research. So we are doing another study where we try to find association, but no causality in econometric terms. But if I understood well, so of course language and culture are highly associated or interrelated, but apparently language is capturing something that is different from culture, and that and it is a vehicle of your culture even when you are not anymore in your country. So it means that, for example, so I know that Estefania studied immigrants, mm-hmm. Different kind of immigrants in the labor market in US, and their language drove their rate of labor for women, and not the culture per se, because they were all in the same culture in US. But the language was a vehicle of something different from the culture. But of course, it is highly related with culture. And what is interesting with our setting with the Big Four is that you have a worldwide presence, that there is somehow, you could think that the work language would be English, and sometimes they publish everything in English, but in fact, inside the company, the local language rests, the language that is used, just because companies have to disclose their financial statements in the country. So they have two levels of financial statements, the individual level, and since it is the base for the tax calculation, it will stay local. So you have a first level of financial disclosure and financial audits that is at the local level, so in the national language, and another level that is more at the level of the headquarter for the group, the consolidated account, and they are published in international standards, international accounting standards, and this is in English everywhere. But even if they use English everywhere, they are driven in a way by the differences in language. Oui. Peut-être je voudrais rajouter quelque chose parce que Estefania avait fait un exposé super dans le Women Be Open Board Ready il y a quelques années. Et elle a montré que quand le langage est neutre, comme l'anglais, mais aussi d'autres langues, et pour le coup, elle avait fait le travail pour ma sphère, c'est-à-dire les conseils d'administration et les espaces de pouvoir, il y avait en général économiquement des femmes au pouvoir plus facilement que dans tous les pays où vous avez une identification de genre
comme notamment tous les pays latins ou même le grec. Donc ça, c'était intéressant. Et puis peut-être j'aurais envie de réagir quand on voit tout le débat et parfois un peu même les battles qu'il y a à propos de la féminisation de certains titres en France, on voit bien que ce n'est pas neutre. Administrateur, on s'est battu pour savoir si c'est administrateur avec un E ou administratrice, et il y a encore des gens qui ne sont pas d'accord. Professeur, on a décidé à l'ESSEC que c'était professeur E, il y a des femmes qui n'ont pas envie. Il y a un débat entre les socialistes et ceux de droite à l'Assemblée nationale pour savoir si on dit madame la députée ou madame le député. Donc ça n'est pas neutre. Hein. C'est intéressant de voir qu'on porte encore des choses parce que ça projette un modèle masculin ou accessible aux deux derrière des tout petits mots de grammaire. Et si je peux rajouter ce qu'on est en train de voir là avec l'étude des différents rapports RSE sur la même société, donc le même Big Four sur différents pays, en fonction des pays et de la langue utilisée, on ne va pas avoir le même vocabulaire qui va être utilisé. Par exemple, le mot « genre » va apparaître énormément en anglais, en français, jamais, que ce soit au Québec ou en France. Donc, ça véhicule quelque chose d'autre que la culture, mais bien entendu, c'est aussi un véhicule de la culture. Donc, voilà. Et la question pour sur ta recherche pour les boards, les femmes dans les boards, est-ce qu'on sait, parce que on peut penser aussi que les entreprises qui ont certaines qualités sont les entreprises qui aussi vont à la fin avoir plus de femmes dans les boards. Donc, est-ce qu'on est sûr que la causalité des effets, c'est parce qu'il y a plus de femmes, les femmes ont un effet, ou c'est parce que les entreprises elles étaient comme ça et les deux choses vont ensemble? Ok. Ça, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, ça reste compliqué. Moi, maintenant, je raisonne plutôt par rapport à l'individu. C'est-à-dire, j'ai constaté qu'en fait, et c'est vrai aussi sur un nouveau sujet sur lequel je me lance, qui est, vous l'avez peut-être identifié comme ça, la question de l'accès dans les conseils d'administration français des Français d'origine culturelle non blanche, hein, on va être très clair, qui sont à 4%. Donc c'est l'individu qui a une version idéalisée, en fait, de ce que doit être un conseil d'administration, de la manière dont il doit fonctionner, de son rôle, de l'éthique, du fait qu'on ne fait pas des petits arrangements entre amis, etc. Et qui fait qu'elle va arriver, en ayant d'ailleurs souvent, et il y a des études qui le prouvent, un effet déstabilisateur au début, parce qu'on considère qu'elles sont perturbatrices, pour ne pas utiliser un mot mal élevé, puisque nous sommes filmés, mais vous voyez ce que je veux dire. Et au bout d'un moment, les dirigeants, et là je suis en train de parler de Mestralet, de Weinberg, qui ont fait des témoignages là-dessus, qu'on retrouve en YouTube, sur vidéo, identifient qu'en fait, c'est cette version idéalisée qu'elle porte, qui est vertueuse et qui est la bonne, un peu comme si elles avaient un rapport d'étonnement, parce qu'elles sont nouvelles venues, mais ce n'est pas parce que c'est des femmes, c'est parce qu'elles sont nouvelles venues, n'ayant pas eu accès à ces espaces de pouvoir jusqu'à présent. Et donc, en fait, elles vont déranger au départ. Mais elles vont déranger pour le bien, puisqu'elles apportent un certain nombre de lignes, le professionnalisme, la préparation, le risk-averse, etc. Et du coup, il y a une sorte de cercle vertueux qui se crée, parce que les autres s'alignent. Okay ? À tel point que, je ne mets pas tout à fait ma main à couper, mais on va dire un doigt quand même. En 2018, il y a de plus en plus d'interrogations sur la bonne composition des conseils, c'est-à-dire la composition adéquate d'un conseil en dehors de tous les aspects de genre, hein, par rapport aux compétences en fonction des défis que telle ou telle entreprise rencontre. Et qu'il est vraisemblable que dans les 3 ans qui viennent, parce qu'il faut attendre les mandats, il y ait peut-être des profils qui n'étaient plus adaptés, qui ne sont pas capables d'adresser les questions de RSE, les questions de risque, les questions internationales parce qu'ils ne parlent pas correctement anglais, les questions des data pour de nouveaux talents, et qu'en fait on ait un renouvellement d'hommes et de femmes
plus jeunes et qui ont surtout de nouveaux profils et de nouvelles expertises. Voilà. En revanche, pour répondre le mieux possible à ta question quand même, oui, il y a un effet d'entraînement. C'est-à-dire que quand tu as LVMH qui est déjà devant, quand tu as BNP qui fait des efforts, ça se sait. Et en fait, les jeunes talents, notamment la génération Y ou les millénials qui n'ont pas envie d'aller travailler dans des boîtes dont les valeurs ne leur plaisent pas, ont tendance à aller là et il y a un pipe de recrutement plus intéressant. De même, j'ai remarqué quelque chose, on est en train de travailler avec une collègue de Lille qui est économétriste, parce que moi je suis juriste. On est en train de regarder de 2012 à 2017 tous les profils des femmes qui ont été nommées en France avec la loi Copé-Zimmermann. Et on n'a pas terminé, mais on s'aperçoit que il y a des phénomènes très intéressants. Il y en a un que j'ai perçu, c'est qu'il y a des femmes déçues du fonctionnement des boards qui ne renouvellent pas leur mandat. Et ça, je ne l'ai pas beaucoup vu chez les garçons. Ça veut dire qu'elles ont une attente tellement forte que si ça ne fonctionne pas comme ça, elles disent « bon, ok, je pars », y compris les étrangères d'ailleurs. Donc cette espèce de vertu ou d'idéalisme poussé est assez intéressant à noter, je trouve. Voilà. Je n'ai pas encore interprété, mais pour l'instant, on a les chiffres. Ce que j'ai vu dans les papiers de recherche et autour, c'est qu'il y a quand même l'importance de la sanction qui a fait monter les femmes en France en particulier. Les hommes perdaient leur jeton de présence. Donc ça a motivé tout à coup beaucoup de boards à faire monter des femmes dans les boards parce que leur couper leur jeton de présence, ça ne leur allait pas tellement. Donc la sanction, en fait, en France, a été ça. Et tout à coup, il y a eu un boom des femmes dans les boards. Donc l'effet de la sanction est primordial. On a vu tout à l'heure avec Junko que les deux pays qui n'ont pas de sanctions, ils sont restés rien. J'explique dans mon rapport pourquoi il n'y a pas de femmes dans mon board, pour le final. Donc, ça, parce que si c'est ça la sanction qui fait qu'ils montent les femmes, c'est en fait un choc exogène, exact. C'est facile voir le... Ça sera intéressant de voir pour le nouveau périmètre, puisqu'en 2020 sont concernées les entreprises qui ne sont pas cotées et qui sont... à 250 salariés. Donc là, on touche les TPE et PME. Or là, cette sanction sur les jetons de présence est quasiment inefficace parce que les jetons de présence, ou ils sont inexistants, parce que ce sont des mandats gratuits, ou ils sont tellement peu importants qu'on est dans le symbolique. Et donc, ça sera intéressant de voir si, entre-temps, la pédagogie dont je rêve s'est faite et que la démonstration que des femmes au board, oui, ça a apporté quelque chose, va effectivement, par porosité, en fait, conduire des dirigeants, souvent plus jeunes aussi, parce qu'il y a le phénomène de succession, et que les plus jeunes sont beaucoup plus facilement convaincus de l'intérêt de la mixité, va jouer. Donc ça sert intéressé de comparer l'évolution de deux groupes, des groupes qui sont les premiers, on s'échoque des femmes dans les bords et les autres. Tout à fait. Et là, on va travailler sur ce deuxième périmètre-là, ça va être intéressant. Ok. Je passe la parole à Radou qui est arrivé et qu'on salue et merci d'être parmi nous. Merci beaucoup. On parle dans quelle langue, en français? Merci beaucoup. Je suis désolé pour le retard. Tout le monde a pris comme il faut. Donc, nous avons des slides, je crois, quelque part, Adrien. Tout est prêt. Bien. Si on peut les passer, je fais quoi? C'est là? J'appuie sur un bouton. C'est pas moi. Super. Bien, donc c'est un plaisir d'être aujourd'hui parmi vous, parler de ce qu'on fait en Gender Research and Experimental Economics à l'ESSEC. Comme vous savez, ou peut-être pas, je suis professeur au département d'économie, et le département d'économie est impliqué dans de nombreuses recherches dans différents domaines y compris dans les études sur le gender. Donc il y a ma collègue Stéphanie Santacreo qui a des études extrêmement intéressantes, avec le professeur, avec Anne Casavane et avec François Longin, elle a deux études. Et en même temps, il s'agit de travaux que j'ai menés moi-même, surtout sur l'impulsion de Seun Jung, qui est professeur à l'université Inha, en Corée du Sud. Donc Seun est
a fait sa thèse sur les problèmes du gender et quand elle était postdoctoral student à l'ESSEC, on a travaillé ensemble. Moi, j'ai apporté ma contribution plutôt en analyse en théorie, elle plutôt en, dans les aspects empiriques, en économétrie. Et ça nous a donné donc l'opportunité de faire, une équipe, de faire équipe et d'étudier plusieurs choses ensemble. Je tire un peu mon souffle parce que je courais d'une salle à une autre et j'ai vieilli maintenant, je n'ai plus le souffle de quand j'étais plus jeune. Donc, la méthode expérimentale, comme j'ai discuté avec Caroline, qui est notre experte réelle en tout ce qui est expérimental, parce qu'il s'agit d'une méthode importée des économistes qu'on a volé un peu à la psychologie. La méthode expérimentale, souvent, ça suscite quelques levées de sourcils. En fait, les gens ne sont pas toujours à l'aise parce qu'on mène nos études dans un laboratoire. Donc, le fait d'être dans le laboratoire, les gens vont dire, ben bon, ce que les gens font dans un lab isolé de... Pardon. Pour revenir en arrière. Pour, tout ce que les gens font dans le laboratoire expérimental de l'essai que nous avons juste dans la salle à côté, c'est le K-Lab, le Experimental Lab. Donc, si vous allez, c'est une facilité qui est fantastique. Donc, ce qu'on fait dans le lab, quelle est la validité externe? Or, le problème de recherche expérimentale n'est pas de venir avec une étude qui s'appliquera, donc on aura une validité externe immédiate. Mais c'est de se poser des questions, sachant que, par, en différence de tout ce qu'on voit dans le field, toutes les analyses sur le terrain, où on ne sait jamais, parce que de nombreux facteurs arrivent en même temps, dans le laboratoire, on peut contrôler un seul facteur. Donc la force du laboratoire expérimental, ce n'est pas tellement la validité externe, mais la capacité de contrôler au millimètre près les stimulus qu'on va donner au groupe. Et vous allez voir, il y a des leçons qu'on peut tirer de manière super intéressante. Donc là, je trouve ça, il y a toujours des blagues, je vous laisse lire, parce que mon temps, je sais, Viviane a dit que... qui est notre chef, qui est limité. Donc, je vais m'abstenir de faire trop de blagues aujourd'hui pour parler plutôt de recherche sérieuse. Et voilà les études que nous avons menées. Donc, je vous laisse, parce que le titre est explicite. Donc, moi, je ne veux pas entrer dans le détail de la méthodologie en 5 minutes, ce serait impossible. Il s'agit des études de laboratoire avec un objectif clair, précis. On a identifié un problème à étudier, on a fait des hypothèses et on les a testées dans le lab. Certaines hypothèses ont été validées, d'autres hypothèses n'ont pas été validées. Et en général, tout le but de ces études-là, c'est parfois qu'on a un grand nombre d'études qui vont dans le même sens et donc on peut consolider des bases de données. Et là, grâce à la réplicabilité, là, on commence à avoir confiance dans la résilience des résultats en général. Mais même quand on regarde ce qui se passe avec notre population d'étudiants qui est sélectionnée, qui sont tous relativement homogènes, c'est l'élite du pays, non? Peut-être qu'il y a des étudiants parmi vous. Donc quand on voit comment nos étudiants, qui sont quand même représentatifs d'une certaine élite, réagissent face à certains problèmes de gender, on peut se poser des problèmes. On peut se poser des questions. D'accord? Qui seront probablement aggravées dans un environnement de travail un peu plus... moins réfléchi, on réfléchit moins à la question de gender. Parce que dans nos écoles, nos jeunes, j'espère qu'ils doivent se poser des questions. Donc, comme vous voyez, il y a une étude première, et tout ça c'est 2017-2018. Pourquoi? Parce que c'est où on était là en 2015-2016, on a travaillé ensemble. Et bon, je ne suis pas un expert du tout en gender, mais j'ai lu beaucoup. Je lis beaucoup, ça m'intéresse, je trouve ça captivant et j'aime bien. Donc... le premier, on a étudié comment les équipes mixtes, équipes, c'est des groupes de deux, produisent un bien et comment ils interagissent, hommes et femmes. Donc, ils savent s'ils sont appariés avec un homme ou une femme, ils connaissent le gender du team à deux, ils produisent un bien, et ils sont rémunérés proportionnellement à la production commune, les gens, et donc la rémunération, on divise la production commune. On regarde ce que l'autre a fait et on peut lui coller une sanction. On peut lui coller une sanction si on n'est pas content du résultat. Ou même si on est content du résultat, on peut lui coller une sanction. Donc ça, c'est la première étude. Donc, la tâche était vraiment une tâche stupide. Il comptait des 7 sur l'ordinateur. Une tedious task, comme on dit en anglais. Bon, ce qui est standard dans l'économie et qui est expérimental.
Les psychologues, eux, ils aiment des tests un peu sophistiqués, subtils. Nous, les économistes, on fait des tests stupides, quoi, bêtes. Mais chacun a la valeur, parce qu'en psychologie, on prend des choses très profondes sur l'air. Même sur les tests simples, si on voit des différences, on peut se dire, mais pourquoi dans des tests simples, il y a des choses de ce type-là? Je vais vous dire les résultats après. Ensuite, on a regardé, pareil, des gens en équipe, hommes-femmes. Ils connaissent le gender de l'autre, mais c'est anonyme. Donc, c'est complètement anonyme. Donc, je ne sais pas si je suis avec Viviane, avec Adrien. Je sais que je suis avec une femme ou un homme, et l'information est communiquée de manière assez subtile. On ne lui dit pas, tu es en équipe avec une femme. On le laisse comprendre, mais sans. Et on a voulu voir dans un jeu de l'ultimatum, où je partage une somme, si je te mens ou non. D'accord ? Donc, ça, c'est une étude que j'avais faite, moi, et que j'ai publiée en Journal of Economic Behavior dans le passé. Donc, on a répliqué, mais cette fois avec le gender. Donc, on étudiait la fréquence et l'ampleur du mensonge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Là, c'est quelque chose qui est très reconnu en économie expérimentale, probablement en psychologie. Il y a eu une littérature substantielle après 2007 par deux Américains, Niederlen et Westerlen, qui ont dit, bon, dans des tests de laboratoire, les femmes apparaissent être moins compétitives que les hommes. Pourquoi? Parce que si elles ont le choix entre une rémunération à la pièce, piece rate, ou une rémunération au tournoi, elles vont prendre la rémunération plutôt à la pièce, tandis que les hommes, ils vont tous pour le tournoi. Donc, bien sûr, ça peut être plein de facteurs, ils contrôlent pour les autres facteurs. C'est ça l'avantage du lab. Tu peux contrôler pour le risque, tu peux contrôler pour l'overconfidence, tu peux contrôler pour plein de trucs dans le monde. Il en reste un effet résiduel où les femmes n'aiment pas la concurrence dans ce type de concurrence. D'accord ? Ce n'est pas tous les types de concurrence. Donc, intéressant. Donc, nous, on est venu avec une méthode originale. On s'est basé comment extraire la willingness to compete. Donc, c'est une méthode basée sur des actions. Là, ça devient un peu théorique, un peu plus sinistre. Mais donc, on a eu une méthode assez... Bon, ça, c'est... On se bat pour le publier. Ce n'est pas évident. Mais bon, j'ai bon espoir parce que c'est une méthode originale. Mais vous allez voir pourquoi notre méthode est intéressante. Ensuite, le dernier, c'est... Qu'est-ce qu'on a fait? C'est quelque chose, bon, ça c'est, je passe parce que c'est plutôt le gender effect, c'est un effect, c'est pas une étude de gender. Et la dernière, ça peut nous parler à nous, les ESSEC, ceux qui sont à l'ESSEC, parce qu'on a utilisé les données du jeu d'entreprise Calisté. Vous savez peut-être que l'ESSEC fait jouer à tous les étudiants un jeu d'entreprise, et donc on a regardé, on a manipulé la composition par gender des équipes. On a fait des équipes que des hommes, des équipes que des femmes et des équipes mixtes, et on a regardé la performance et la prime de risque. Et voilà, bon. Et quels sont les résultats? Donc, je ne vais pas vous ennuyer trop. Donc, il y a des résultats, pas de résultats. C'est ça qui est terrible en économie expérimentale. Quand tu ne trouves pas un résultat positif, personne ne te publie. C'est horrible. Ça, c'est un biais. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas scientifique. Quand tu dis qu'il n'y a rien, c'est un problème énorme de la science expérimentale. Mais bon, je vais vous donner les résultats positifs et... C'est qu'on n'a pas trouvé, de gender interaction dans nos études. C'est-à-dire, si je suis homme avec une femme ou homme avec un homme, ça ne change pas trop mon comportement. Ou femme avec homme ou femme avec femme, ça ne change pas. Donc, le gender pairing effect, on ne l'a pas trouvé. Mais on a trouvé le gender effect. C'est-à-dire, si je suis homme ou je suis femme, j'ai un comportement différent. D'accord ? Quel que soit mon partenaire. Donc, dans la tâche d'effort, les hommes et les femmes ont le même niveau de productivité, aucun problème. Nos étudiants, ils font les mêmes, ils comptent les 7 pareil, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es en face d'une femme, les hommes vont sanctionner plus souvent. Donc, les hommes vont sanctionner les femmes plus et de manière plus dure. Et les femmes vont sanctionner moins et moins souvent. Donc, c'était pour le même niveau parce que de misachievement. Bon, déjà, c'est un truc, ça peut nous poser des questions, ça peut interpeller. Et en plus, tu vois que lorsque tu sanctionnes les hommes, lorsque tu prends une sanction, le type va améliorer sa performance. Il will work harder la prochaine fois. Mais si tu sanctionnes une femme, elle va travailler moins. C'est le motivation crowding out effect qui est documenté dans l'autre littérature. Mais tu vois, le motivation crowding out pour les hommes et pas pour les femmes. Donc moi, je n'ai pas trouvé beaucoup d'études de motivation crowding out par gender. Donc ça nous semble intéressant. Et on se dit aussi qu'il y a des policy implications. Parce que comme notre société se féminise, il y a plus de plus d'entreprises qui, dans le temps, étaient plutôt dominées. Il n'y avait que des hommes. Donc tu as un système d'organisation de l'entreprise basé sur une masse d'hommes. Où la sanction peut-être est nécessaire parce que les mecs ne bossent plus. Mais si la composition du groupe change et tu as de plus en plus de femmes et tu as le même système ancien de gestion,
ben là, tu auras des effets pervers. Donc, ce sont, encore une fois, je prétends rien, mais je dis que ces petites études ont de la force et de la valeur si tu arrives à avoir 50, 60 000, 10 000 études qui vont, de funding qui vont dans le même sens. Bon, dans le mensonge, la fréquence des femmes et des hommes qui mentent est la même, d'accord? On ne ment pas plus en fréquence. Mais quand on ment, on exagère encore plus, d'accord? Nous, on est plus excessif dans le mensonge. Ça, c'est bon, ce n'est pas fondamental, je crois. Parce que, d'en plus, ce qui est drôle dans cette expérience, les autres ne te croient pas. D'accord? Donc, ça, tu penses que tu es intelligent, tu vois? Donc, les hommes vont mentir, vont exagérer, ils pensent qu'ils manipulent, ils manipulent que dalle, quoi. En fait, parce qu'en face d'eux, personne ne les croit. Donc, c'est inefficace complètement. Donc, ça a été un peu drôle comme finding. Parce que c'est ça qui est. C'est aussi ce que l'autre fait dans le lab. Tu peux mesurer tout. Dans le Niederland et Westerland, notre mesure est forte parce qu'elle mesure la propension individuelle. Or, l'étude initiale, celle citée 10 000 fois, répliquée 50 000 fois, cette étude-là, initiale, ne permet pas de détecter l'individu. Et nous, on voit l'individu quand il veut. Combien tu payes, combien tu es prêt à payer pour entrer dans la compétition, ou combien tu payes pour avoid competition, mais chaque individu. Et grâce à ça, on a pu étudier la distribution individuelle des hommes et des femmes par rapport à leur willingness to compete. Et les moyennes, tu vois, la moyenne des hommes et la moyenne des femmes de désir de concurrencer. Donc, les études classiques montrent que les femmes sont moins désireuses de concurrencer que les hommes. D'accord? Ça, c'est classique, c'est arrêté. Mais notre étude permet d'étudier la distribution. Et dans la distribution, tu vois que tu as 10% des femmes, je n'ai pas le chiffre en tête, 10% des femmes qui sont aussi compétitives que les plus compétitives des hommes. Et tu as 10% des hommes qui sont aussi peu compétitifs que les moins compétitifs des femmes. Donc les moyennes cachent des distributions sur la compétitivité qui sont. Donc attention, les policies, quand on prend en compte cette distribution, il faut effectivement faire en sorte que les femmes, tout le monde, que soit plus peut-être plus accès aux fonctions supérieures ensuite, mais il ne faut pas que les policies détruisent la compétitivité des femmes les plus compétitives. Il faut que la policies soutiennent celles qui sont moins compétitives, à la limite, ou qu'on détruise la compétitivité des hommes les plus compétitifs, j'en sais rien, mais il faut avoir en tête la distribution. Les conclusions sont très différentes par rapport en termes de policies. Je n'ai pas une analyse très profonde des policies, mais voilà. Ensuite, quand on expose les filles à la compétition, on voit qu'en Corée, et en France, ce n'est pas du tout la même chose. En France, les filles, tu les mets de force dans la concurrence, leur utilité décroît. En Corée, tu les mets dans la compétition, elles sortent de la compétition, elles sont heureuses. Elles ont gagné en contrôlant pour gagner, perdre. Donc, Asie, Europe, femmes, ce n'est pas forcément la même attitude, ce n'est pas forcément le même comportement face à la concurrence. Donc, c'est intéressant. Et en fait, dans le groupe Decision, donc on a trouvé que les meilleurs, c'est les groupes mixtes avec une majorité de femmes. Donc ça, c'est quelque chose plutôt pas mal. Bon, les groupes d'hommes sont très forts aussi, mais parce qu'ils prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Donc si tu veux un truc où il y a de la performance sans trop de risques, le mieux, c'est le groupe. Le groupe que des filles ne se sort pas très bien du tout. Il faut vous dire le résultat aussi. Pas bien d'être que des filles et pas bien que d'être que des hommes. Voilà, donc c'est très, très bref. J'ai dépassé mon temps, je suis sûr que je m'excuse, ça va. Donc, bon, Fabrice est venu, chaque article, c'est un article de recherche. On peut parler une heure pour chacun de ces articles, mais je suis à votre disposition s'il y a des questions. Ils sont tous en ligne, working paper, je peux partager avec vous, ça me fait grand plaisir. Et surtout, je suis très heureux d'avoir le feedback. Parce que grâce à vous, j'ai amélioré plus. Je regarde Caroline qui m'a beaucoup aidé, Fabrice, dans les discussions. Ça m'a permis d'améliorer beaucoup certains articles par les aspects psychologiques que je ne maîtrise pas. En fait, moi, c'est plus vraiment le design maintenant. Je commence à m'y connaître en design de l'expérience, mais pas design, fashion design, mais de l'expérience, mais pas plus que ça. Merci, merci. On a encore un tout petit peu de temps. Je voulais rebondir une minute, Radou, sur un des éléments. J'avais lu, moi, tes travaux parce que je trouvais ça passionnant. Et je voulais rebondir sur un élément très spécifique que je constate, alors sans faire de recherche, je le constate, pour le coup, c'est un laboratoire humain. C'est le Club Génération Startupeuse où donc j'accueille des jeunes filles et des jeunes femmes qui ont des projets
de start-up et à impact en plus. Donc c'est une population qui veut sauver le monde. Okay. Et effectivement, ce que tu dis sur la sanction ou l'échec, qui fait qu'un garçon va plutôt se retrousser les manches et être dans la compétition et se dire bah, « la prochaine fois, je vais y arriver », c'est absolument pas ça l'attitude qu'elles ont. Elles sont dévastées par, par exemple, un business angel qui va les critiquer un peu fortement, qui va remettre en question leur business plan. Et c'est pour ça que j'ai créé le Club de Nation Startupeuse, pour que dans un environnement avec une charte de bienveillance que tout le monde signe et qui envoie un signal très clair sur la manière dont on doit dire les choses, on évite de décourager des jeunes qui ont par ailleurs de jolis projets, l'esprit de compétition, mais qui, alors que le milieu masculin dominant, notamment financier, ne souhaite sans doute pas faire ça, arrivent à les décourager totalement et qu'elles ne veulent plus faire de concours, elles ne veulent plus présenter leurs projets. Et en fait, on a comme ça, en termes de pourcentage, un effet de découragement absolument dévastateur entre une intention de créer qui est absolument partagée quasiment à 50-50 entre des jeunes garçons et des jeunes filles, et la transformation de l'essai création start-up où on est déjà, on descend à soi-disant 30%, en fait quand c'est des sociétés de capitaux, il faut que vous sachiez que c'est 14%, okay, et ensuite à 3 ans, on tombe à 7%. Et les 3 ans, c'est les 3 ans où forcément, elles ont été amenées, parce qu'on développe une entreprise, ben, il faut y aller, elles ont été amenées à rencontrer des financiers, à se présenter, et en fait, elles assimilent, en fait, il y a un vrai problème de valorisation de soi, elles assimilent une critique à un projet à une critique personnelle, il y a un affectif, un ego, et donc il y a un énorme travail d'ordre psychologique, hein, tu le disais, et sociologique à mener, que les incubateurs n'adressent pas. Et en fait, donc moi, c'est en réaction à ce que tu m'avais raconté sur cet esprit de compétition qui est moins là, sauf sur une partie particulière qui réagit et qui s'en sort très bien, qui m'a fait, il y a 2 ans, me dire ben, peut-être il faut les accompagner aussi sur la dimension gender pour qu'elles passent le cap et qu'elles soient capables d'être des managers, des leaders et surtout des entrepreneurs. Parce que humainement, c'est insupportable et puis c'est un gâchis économique assez terrible. Oui. Juste un commentaire. J'ai l'impression, bon, je ne suis pas psychologue, mais que c'est l'effet que les femmes sont découragées quand elles souffrent une critique, ça peut être lié à la syndrome d'imposteur dont tu parlais avant. Oui. Donc, celle-ci trouve déjà un imposteur. Oui, il y a quelqu'un qui vient et renvoie une erreur, c'est la preuve qu'elle ne valent rien. Donc peut-être pour aller à la cible plus à fond, il faut traiter de cette bien sûr. Syndrome de et puis avoir un discours aussi extrêmement encourageant systématiquement. Tous les travaux que je vous ai présentés, comme je ne savais pas toujours les interpréter parce que je ne suis pas psychologue moi non plus, en fait j'ai demandé à Maryse Duboulois de me donner son interprétation en tant que psy, en tant que coach. Et ça m'a permis de beaucoup décoder et de comprendre des ressorts internes. Et on a mené des ateliers avec elle parce que je voyais les choses et j'avais parfois du mal à les interpréter. Et encore plus de mal à les interpréter maintenant qu'on est en train de travailler avec une population plus jeune et que ce sont mes enfants, mais que ce n'est pas moi. Donc j'ai des biais, moi, de perception différents parce qu'elles n'ont pas les mêmes attitudes. Elles n'ont pas les mêmes, et ils n'ont pas les mêmes attitudes que nous pouvions avoir à leur âge et que nous avons, nous, maintenant, à la cinquantaine. Mais en tout cas, c'est des travaux extrêmement intéressants parce que je trouve que tu lèves le tapis là où il y a quelque chose d'intéressant. Et je trouve ça très choquant que quand tu n'as pas de résultat, on a eu quelque chose comme ça chez le conseil d'administration, ça ne change rien, et bien du coup, ça n'intéresse personne. Mais c'est important de dire que ça ne change rien aussi. Pourquoi veux-tu que ça change quelque chose? Peut-être que ça ne change rien. Ou qu'on ne s'est pas donné les moyens pour que ça change quelque chose, ou pas tout de suite. Et moi non plus, voilà, après, ça ne les intéressait pas du tout. On a fait ça avec Karima Bouès, l'économétriste, et on n'a rien trouvé. Et bah alors, on n'avait rien à dire. Je trouve ça important de dire que ça ne change rien. Donc, je partage ton... I think this is such great work that...
you and other people are doing on building the resources of young women or women of all ages, really. I do find, though, that quite often we focus so much on what women need to do. I think it's often also important to acknowledge that they do have different experiences, right? So you're sort of assuming that these startups are having the same experiences. Recently read that female Supreme Court justices, right? So arguably some of the most powerful women in the world, they're interrupted three times more frequently by their male colleagues than a male Supreme Court justice is. Tu as absolument raison. On les attend au tournant, quand même. Mais bon, les choses se font. OK. Yes, that's right. C'est pour ça que, je me suis permis, j'ai choisi quatre seulement, mais on en avait fait plus. Cette question de la prise de parole et de l'interruption. Non, mais moi, maintenant, ça va. Je me suis armée, mais il m'a fallu du temps. De l'interruption qui fait qu'on ne... Et puis surtout, comme il y a l'imposteur derrière, on se dit, mais finalement, ce n'était pas si important que ça, ce que je voulais dire. Oh, ben finalement, je vais me taire. Et y a tout un... Et du coup, tu es en mode silent, donc tu ne peux pas influencer. Et donc, tu peux toujours rêver pour avoir le pouvoir. Hein. Parce qu'il y a différents CEP aussi. C'est parler, convaincre, influencer, avoir le pouvoir. Et je pense que tu ne peux pas sauter directement. Donc, c'est important. On a même fait... Là, on fait des ateliers avec un coach d'opéra, de chanteur d'opéra, sur la posture de la voix et la respiration pour mes women be board ready sur les conseils d'administration. Franchement, en 2011, quand j'ai commencé cette formation, je pensais aller m'égarer là-dessus. C'était une formation technique qui était ouverte juste aux filles parce que j'avais décidé d'ouvrir les filles, mais les contenus, la finance, la stratégie, et d'ailleurs Anne intervient, c'était du technique. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me suis aperçue qu'il fallait ajouter des aspects de comportement, de sociologie, de psychologie. Et là, j'en suis carrément à du training sur la voix. Je ne m'interdis plus rien. Mais voilà, parce que... Alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Quelque chose très intéressant que j'ai lu ce matin. France Info et l'INSEE, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, se sont mis ensemble, entre guillemets. Ils ont créé c'est un lien que vous pouvez trouver sur franceinfo.fr. Et selon le métier que vous faites et l'âge que vous avez, vous mettez votre sexe opposé. Donc si vous êtes une femme, vous dites que vous êtes un homme, inversement. Et en fait, ça calcule le salaire que vous devrez avoir. Ouais, je trouve ça très intéressant. Si vous êtes... Enfin, puisque les deux sexes marchent, en fait, les deux sont très intéressants. Et voir peut-être, bon, puisque je suis étudiante, ça ne marche pas trop, mais si j'avais été, je ne sais pas, professeur, par exemple, j'aurais essayé, je ne sais pas s'il y a vraiment des différences de salaire entre professeurs, je ne sais pas du tout, mais voilà, pour voir si en étant un homme, j'aurais gagné beaucoup plus ou quoi, voilà. Je trouvais ça assez intéressant, donc vous pouvez peut-être essayer ou quoi. Ah, ça, c'est super, on va l'utiliser pour l'atelier. Ça, c'est vraiment super. Parce que les jeunes femmes, à l'ESSEC, hein, on a, faut être clair, les ateliers, on les a lancés parce qu'on a, on a renseigné sur 3 ans de suite, 14, 15, 16, 15% de salaire en moins chez les filles au premier job. Au premier job. Donc là, quand même, les choses étaient posées. Donc la question, c'est, est-ce que c'est la faute du système, machin, etc. Peut-être, sans doute, mais il y a aussi quand même un moteur individuel à faire quelque chose. Et quand on a creusé, on s'est aperçu que souvent, elles n'avaient pas fait d'études de concurrence, elles ne savaient pas quel était le salaire moyen... hors les aspects gender de ce job, alors que les garçons oui, et elles ne préparaient pas, elles n'avaient pas les mots pour l'entretien, en espérant surtout qu'on n'allait pas leur poser la question. Et donc il faut les préparer, il faut vraiment les préparer à dire, ben, moi je vaux tant, et le marché c'est tant, et je ne vois pas pourquoi le garçon d'à côté aurait tant. Il faut aussi résister à des questions du genre, oui, mais est-ce que... Parce que c'est interdit, mais en fait, ça se fait sous le manteau, hein, de « mais vous êtes en couple,
et vous avez quel âge, et de commencer à supposer que vous aurez dans 5 ans un enfant, je veux dire, Et donc, je crois qu'il faut juste un training. Voilà, on fait les trainings, et j'espère que ça vous aidera, parce que ça, franchement, c'est choquant. Je vous remercie pour donc, toutes les présentations que vous avez faites. Je trouve ça très intéressant. Et en fait, j'avais une question donc, au sujet de... Donc, vous avez beaucoup parlé de la place de la femme dans les entreprises, dans les conseils d'administration, mais plus particulièrement, vous êtes passé très rapidement sur une question dont, sur laquelle je voudrais revenir, qui était posée sur le YouTube chat, donc, On a pas qui vu. Était posée par... Amandine Tridon qui disait « How do you get changed men's behavior towards women ?» Et parce qu'en fait, je voudrais savoir... alors oui, on a des workshops à l'ESSEC, on a des associations comme He4She qui sont là pour comment dire en français, « raise awareness among the students ». Mais en fait, comment on fait... quelles actions concrètes en fait, on pourrait avoir au niveau de l'école, au niveau des étudiants plus particulièrement pour leur... les sensibiliser vraiment, plus que les sensibiliser, à avoir some kind of commitment. Like, en fait, les faire comprendre... Oui, vas-y, en anglais. Non, mais en fait, je suis française. Oui, bah, utilise ce que tu veux. bon, je vais dire en anglais. Like, how do you want to get students to be committed, to change the behaviors? Because we talk to lot about women's, we raise like awareness among students, and actually I support organizations like He4She, but what I don't support is, okay, it might be a bit outrageous, but what they say is like, you have guys says, yeah, support a women's cause and whatever, but how do you actually change the behavior? How do you get them to change as well? Because we talk a lot about women, but how about men? Okay. Ok, alors d'abord, j'ai quand même répondu à la question, hein, en considérant que on peut pas s'en sortir avec juste qu'est-ce que va faire l'école. Vous avez déjà 22 ans, 24 ans, 18 ans, je veux dire. Il y a la phase de l'éducation et la responsabilité très lourde des parents, je dis bien des parents et pas seulement des mamans, okay, sur cette question de l'égalité entre les garçons et les filles et tous les stéréotypes qu'on véhicule ou pas. Okay. Par exemple, sur la confiance en soi, moi, j'ai qu'une fille, okay, la confiance en soi, alors c'était clair. Je sais que je n'ai pas l'air, mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. Moi, à 20 ans, tu me parlais, je devenais toute rouge et je n'étais incapable, je perdais mes moyens, c'était dramatique. Voilà. J'ai passé ma vie à dire à ma fille, c'est pas grave, tu es la meilleure, tu vas réussir, une note, on s'en fout, ça va marcher la prochaine fois. C'est-à-dire qu'il y a aussi un discours, il y a un discours de empowerment, de confiance, pour casser toute l'ambiance qu'il peut y avoir parfois à l'école, à la petite école aussi. Après, voilà. La grande école en tant que telle. Donc, nous, on veut travailler sur la cible particulière des filles, mais c'est effectivement avec les garçons. Et je suis bien contente que dans He4She, il y ait beaucoup d'étudiants garçons, parce que je crois vraiment que votre génération est beaucoup plus mixte et beaucoup plus, trouve assez naturel, enfin, ne se pose pas de questions sur le fait que vous devez avoir l'égalité de salaire, vous devez avoir, il va y avoir une double carrière, donc ça veut dire peut-être négocier ensemble comment vous allez mener votre double carrière, alors qu'à mon âge, c'était de la compétition. Et souvent des divorces. Hein. Ma fille m'appelle la génération divorce. Hein, les 50 ans, 60 ans, c'est la génération divorce. Après, on va tester quelque chose au moment de la semaine de l'humain. Et on a fait exprès avec Adriane et Séverine de ne pas le mettre pour les Gender Days, pour que ça ne soit pas sur la question des filles. Alors qu'en fait, ça va être sur une problématique de filles. Il y a eu des... Je parle très naturellement, puisqu'on en a parlé, Vincenzo m'a autorisé à en parler à un journaliste du Monde et que l'article est sorti. Hein. Il y a des jeunes filles qui se sont plaintes de comportements très limites, plus que limites dépassées. On va parler de sexisme ou autre. Voilà. Donc, on a mis au point... ça a beaucoup perturbé l'école, mais nous avons répondu.
Et donc, on a mis au point un processus, d'une part, pour gérer quand il y a une crise, mais surtout, la vraie question, c'est comment éviter qu'il y ait une crise. Et éviter qu'il y ait une crise, c'est sensibiliser les garçons et les filles à des choses, c'est « do don't hein ». Voilà. Et donc, on le fait pendant la semaine de l'humain, parce que pour moi, c'est du respect d'autrui, que ça soit une fille ou un garçon, que ça soit un jeune étudiant en situation de handicap, que ça soit quelqu'un, une jeune chinoise qui vient et qui a du mal à s'intégrer, que ça soit certains qui ont le voile, c'est le respect d'autrui. Et donc, on va faire un atelier sur le respect de d'autrui, un truc bête comme ses pieds. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne le fais pas à l'autre. Et du coup, je vais pouvoir travailler sur cette question du sexisme et des dérapages, parce que je pense que c'est peut-être ça dont tu parlais. Hein, j'ai cru sentir. Voilà. Merci pour votre réponse. Donc, on va essayer de faire ça. Enfin, non, on va le faire. On va le faire. Just to bring just detailed further details to your question, because it may be of interest to many people. There's a great book that I recommend because it's a research book and it's very well documented by a woman called Iris Bonnet. And Iris Bonnet was a dean at Kennedy. I don't know if she's still a dean at Kennedy School at Harvard, but she basically wrote a book called What Works, and it's a really nice compendium, a sum of a lot of studies about what works to improve those issues of genders in organization and corporation. So I really recommend it. It's a very nice compendium, and she's very smart. So she's been doing the sum of it. So if you're curious, as a more general question of your what work, what could we do, that's an interesting one. Now, a word of caution to the debate that has been started there. We should be careful about the idea that women are the victim and the men are the predator, and we need to go after the men. I'm just saying that not because I'm the man defending men, because me as a man, if I want to disturb a fellow researcher, female, when she presents research, I raise my hand and I say, did you control whether the effect was, how it was going on, whether the person making the decision was a female or a male? Let's say we are doing salary discrimination. I raise my hand and say, oh, what about the person doing the decision? Was it a female or a male? Yeah. And was there a difference? And usually they mumble. You know why they mumble? Because usually female discriminate as much as male. Strongly, it's very consistent. And I'm not saying this is the end of it, but we should be careful about assuming that this is coming a man against women. It's often very complex in various directions. I'm sensitive that maybe your question was more about those sexism issue, and in that case, maybe that's more the case. Exactly. In that case, that's way more gendered. But for other issues, sometimes, interestingly, females are the predator. So weirdly enough, because it's a cultural thing. So, but I agree that for sexism, that's usually the gender issue is clear. C'est clair qu'il y a beaucoup plus de tolérance dans les pays latins, tu vois, et que la question c'est pas de devenir comme aux États-Unis où on n'a même pas le droit de regarder un étudiant dans les yeux, sinon. Mais il faut quand même une prise de conscience pour limiter la tolérance à ce qui n'est pas tolérable. Et je crois que le mieux c'est que ça soit les étudiants du BDE. On va travailler avec les étudiants du BDE. Il faut que ce soit des étudiants qui travaillent sur ça et on va essayer de faire, on va faire ça au mois de mai, ensemble. Okay, so. It's time to say stop. Yes. Est-ce que je pourrais poser une dernière question? Vous travaillez du coup beaucoup avec les étudiants, mais est-ce que vous travaillez aussi avec les professeurs? De façon générale, à l'ESSEC, est-ce qu'on sensibilise les professeurs? Parce que bien que oui, on ait 18, 20, 25 ans, etc., je pense qu'on est toujours dans une phase d'éducation et que du coup il y a quand même des phrases, des mots comme ça qui peuvent être utilisés en cours et qui choquent pas suffisamment de gens quand ils sont utilisés. Et du coup, est-ce que les professeurs aussi sont sensibilisés un petit peu à faire attention dans leurs cours et dans Alors, leur... Je n'ai pas encore construit l'atelier parce que c'est nouveau. Hein, c'est, voilà, Vincenzo Vinci et Félix Papier m'ont saisi de ça en tant qu'égalité femme, référente égalité femmes-hommes, il y a juste quelques semaines. Donc là, en plus, on avait les gender days. Donc, mais je n'ai pas encore construit. Mais oui, je considère qu'il peut aussi y avoir des prises de parole envers les assistantes qui peuvent être parfois irrespectueuses. Et donc, j'ai préféré le mettre sous le thème du respect d'autrui parce que moi, ça me parle plus. Parce qu'effectivement, du coup, ça peut aussi être... à l'égard déclinable, à l'égard d'un garçon, de quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau, de quelqu'un voilà, qui est de regard sur un handicap, même si on va faire un focus sur les comportements déviants, notamment quand
les profs ne sont pas là et qu'il y a une fête, ok, on prend le sujet à bras-le-corps, on commence. Toutes les idées sont bienvenues. Il y a 2 ans, le doyen a mandaté un groupe de réfléchir à un code de conduite des professeurs. Oui, donc le code de conduite a été élaboré, il y a eu énormément de discussions parce que c'est sensible. Ouais. On peut toujours faire plus, mais déjà on a beaucoup parlé de respect, et de on communication. Parlait du respect. On maintenant c'est sûr qu'on peut faire plus, mais on a depuis 2 ans, pour la première fois à l'ESSEC, un code de conduite qui s'approche beaucoup de ce qu'on voit dans l'univers anglo-saxon, notamment canadien. Oui. Donc, toutes les idées sont bienvenues pour cet atelier, ce qu'on peut en produire. Est-ce qu'on fait une charte de respect de l'autre? Est-ce que... Voilà, pour le moment, on va construire quelque chose. Voilà. Alors, il est largement temps de cesser la vidéo YouTube, de vous dire merci. Moi, je voudrais dire un merci particulier à Adriaan en tant que directeur du CMAS, parce que quand je lui ai sorti cette idée un peu étrange de ben, si on partageait les recherches, mais aussi avec les salariés, les étudiants et pas juste entre nous, et qu'est-ce que ça pourrait faire, et si on continuait tous les 2 mois, on ferait un atelier avec un professeur et un échange. Il non seulement il m'a dit oui, mais il a fait beaucoup du travail. Et sans lui, on n'aurait pas pu le faire, ça c'est clair. Et puis Séverine qui a beaucoup aidé aussi. Donc à 3, on y arrive bien. Et après, il y a eu toute la com qui a pris derrière. Et on a joué collectif et on a réussi à faire quelque chose de un peu à l'improviste. Voilà, ça marche.